Quelle méthode faut-il mettre en place pour progresser à la guitare? Combien de temps par jour doit-on travailler? Quels exercices? Est-ce qu'il faut travailler avec YouTube, prendre des cours ou lire des bouquins? Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo de ce genre, du coup je vais vous donner mon avis, partager mes conseils afin que vous puissiez progresser de la meilleure des manières. Salut à tous, c'est Antoine de Objectif Guitare, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a du changement pour cette rentrée 2022, un nouveau décor, nouvelle installation. Voilà, j'ai tout simplement déménagé de Paris, j'en avais marre du métro, des petits apparts, etc. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle installation, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Donc aujourd'hui, on va parler méthode de travail. C'est vrai que je publie quand même beaucoup de tutos sur la chaîne. Tutos sur l'impro, sur le rythme, la technique, des morceaux, etc. Mais en tout cas, ça reste très important d'être bien organisé et d'être structuré. Alors, point qui me paraît déjà essentiel, et ça peu importe le support que vous utilisez, que vous preniez des cours, que vous utilisiez YouTube ou lire des bouquins, enfin peu importe. Ce qui est très important, ça va être la régularité. Voilà, essayez d'être le plus régulier possible. Vaut mieux travailler 15 minutes, 20 minutes tous les jours, plutôt qu'une seule session dans la semaine et une session qui dure 2 heures. Ça déjà, c'est une règle d'or. Par exemple, vous voulez accroître votre connaissance du manche pour progresser en improvisation. Vous travaillez sur les triades en position fondamentale. Alors, on commence avec Do par exemple, Do majeur. Donc là, je viens de faire Do majeur, mais ça vaut aussi pour les mineurs. Et surtout, ne jamais oublier de transposer. Donc là, il n'y a pas photo. C'est vraiment la régularité, vraiment la répétition du geste qui va faire que vous allez mémoriser ces triades. Donc ça, ça vaut pour l'impro, mais ça vaut aussi pour la technique, pour le rythme, lorsque vous bossez un morceau aussi. Du coup, voilà, mettez en place dès aujourd'hui cette règle d'or. Et je le répète, peu importe le support que vous utilisez. Ensuite, par rapport à votre session de travail pure, déjà un échauffement. Ça, c'est super important. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai une vidéo ici en fiche. Vraiment, j'avais expliqué que l'échauffement, c'est aussi une super manière de progresser. Moi, j'ai toujours été partisan de toujours faire des échauffements ludiques. L'échauffement, c'est pas forcément des exercices rébarbatifs, voilà, des gammes chromatiques par exemple. Voilà, moi ça personnellement, ça ne me passionne pas et ça ne m'a jamais passionné. Moi j'ai toujours opté pour faire des exercices ludiques, réviser les triades, les pentatoniques, les modes, etc. Donc par exemple, moi une bonne manière de s'échauffer, je prends au hasard, allez, Fa majeur, premier renversement en triade. Voilà, et ça c'est quand même beaucoup plus ludique que... Voilà, etc. L'échauffement, c'est une super manière d'intégrer les nouvelles connaissances dans le but de les avoir vraiment sur le long terme. Voilà, comme dans le cas de mon exemple avec Fa majeur, premier renversement. D'ailleurs, il y a un programme d'échauffement disponible en téléchargement libre sur mon site internet. Vraiment, c'est un programme sur une semaine avec 4-5 exercices d'échauffement par jour, avec de la pinta, de la triade, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Après ces 5 minutes d'échauffement, voilà, là on va commencer à travailler. Et moi je vous conseille de travailler sur un sujet majeur à chaque fois. Voilà, vous choisissez un sujet majeur par semaine. Voilà, ça peut être l'impro par exemple. Et pendant une semaine, tous les jours, vous avez votre sujet majeur qui est l'impro. Après évidemment, rien ne vous empêche de faire autre chose un petit peu après. Ça peut être de la technique, ça peut être des morceaux, etc. Mais vous avez votre sujet majeur sur une semaine. Et encore une fois, ça peut être de l'impro, ça peut être de la technique, ça peut être du rythme, etc. Après, oui, si vous travaillez 2 heures par jour et que vous avez le temps, là, vous pouvez mettre en place 2-3 sujets majeurs, pourquoi pas. Mais je sais que pour la majorité d'entre vous, vous en faites en général entre 15 et 30 minutes par jour. Voilà, donc choisissez un sujet principal. L'idée, c'est d'être structuré afin de faciliter la mémorisation des nouvelles connaissances. Admettons, sur une semaine, voilà, un sujet majeur, vous prenez les triades en position fondamentale. Vous bossez à fond là-dessus, à travers des morceaux, à travers de l'impro, etc. Du coup, ça nous donne 5 minutes d'échauffement, un travail principal pendant 15-20 minutes, et à la fin, faites-vous plaisir. Voilà, prenez du plaisir avec votre instrument, voilà, je le répéterai jamais assez. Voilà, faites-vous plaisir, travaillez sur d'autres sujets, pourquoi pas, mais amusez-vous vraiment, c'est très important. Maintenant, quel support devez-vous utiliser? Alors évidemment, il y a YouTube, évidemment, sachant qu'il y a quand même beaucoup de qualité, il y a plein de super créateurs de contenu en guitare. Moi, de mon côté, j'essaye de donner le max pour créer les meilleures vidéos en espérant que ça vous aide.
une petite quand même remarque par rapport à YouTube. Alors c'est super parce que c'est gratuit. Par contre, attention à ne pas se disperser, hein, parce que chacun a sa méthodologie qui lui est propre. Un exemple tout bête, le sujet des modes. Voilà, vous avez envie de savoir ce que sont les modes, super. Vous regardez la vidéo d'un créateur de contenu qui a sa méthodologie qui lui est propre. Et première explication, les modes, ce sont des couleurs. Voilà, on a la gamme majeure, la gamme à 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et du coup, par exemple, le mode lydien, on va prendre ce réservoir de notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la quatrième note, on va l'augmenter d'un demi-ton, ça nous donnera le mode lydien. Le mode mixolydien, on va prendre à nouveau notre référence, notre gamme majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on va prendre la septième et on va la baisser d'un demi-ton. Et ça va nous donner... Voilà, au final, les modes, ça nous donne vraiment des possibilités qui sont quasi infinies. Moi, je me reconnais pas mal à travers cette explication. C'est comme ça d'ailleurs que j'enseigne les modes. Par contre, on peut avoir d'autres explications. On peut par exemple dire, donc là ça serait la deuxième explication par exemple d'un autre créateur de contenu, le mode ionien c'est le premier degré de la gamme majeure. Le mode dorien ce serait le deuxième degré de la gamme majeure. Le mode phrygien ça serait le troisième degré de la gamme majeure, etc. etc. Et ça c'est tout aussi vrai. Du coup vous allez être perdu, vous allez vous dire non mais attends, mais c'est qui a raison dans l'histoire? Au final les deux, hein, c'est juste que l'approche est différente. Donc YouTube, c'est vraiment super, hein. Mais on voit en tout cas à travers mon exemple qu'on peut très vite se disperser et ça peut du coup nous embrouiller. Voilà, du coup, c'est un peu comme si vous changiez de prof toutes les semaines, hein, vraiment, vous allez plus savoir où vous en êtes. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir sur YouTube, hein, une sorte de mentor, voilà, un créateur de contenu que vous suivez régulièrement, voilà, que ce soit moi ou un autre, peu importe, hein, c'est pas forcément le sujet, ayez en tout cas voilà, une sorte de mentor. Par contre, quand vous voulez une réponse particulière sur un morceau, sur un riff, ou sur un autre sujet, évidemment, allez voir ailleurs. Une autre solution, c'est de prendre des cours particuliers avec un prof. Et là, pour le coup, si c'est régulier, une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, là, les résultats, ils sont garantis. Le prof, il va savoir dans quelle direction vous devez aller. Et c'est lui, d'une certaine manière, qui va vous donner le sujet majeur à étudier par semaine. Voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le fait de choisir une thématique principale par semaine. En soi, c'est le prof qui va vous la donner. Et du coup, lui, le prof, en plus, voilà, vous allez apprendre des choses avec lui, il agit comme une pression positive. Vous savez qu'il revient dans une semaine ou dans deux semaines. Du coup, vous n'avez pas le choix, vous devez bosser. Donc, ça ne peut que vous tirer vers le haut. Donc, avec cette méthode, hein, vous n'avez pas le choix, vous devez bosser. Hein. Vous savez que vous avez rendez-vous mercredi prochain à 19h avec votre prof. Du coup, ça agit comme pression positive. Après, si vous n'avez pas trop le temps de bosser, moi, je vous conseille quand même de garder le cours. C'est tout, si vous n'avez pas eu le temps de bosser, ça sera pour la semaine suivante. J'en profite pour dire que actuellement il y a un concours pour gagner des cours de guitare en visio avec moi, c'est jusqu'au 30 septembre. Si ça vous intéresse, tout ça se passe sur mon site internet, c'est tout simple pour participer. Voilà, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, je donne des cours tout au long de l'année avec la même qualité que mes vidéos YouTube. Il me reste encore quelques places pour ceux qui souhaiteraient prendre des cours. Donc, pour revenir sur les cours, donc ça c'est super hein, parce que ça permet d'avoir un véritable suivi personnalisé. Après, l'inconvénient, c'est que ça a un coût. Forcément, en même temps, si vous voulez de la qualité, c'est minimum 25-30 euros de l'heure pour de la qualité. Franchement, les cours à 10-15 euros de l'heure sur le bon coin, franchement, sans commentaire, franchement, autant rien prendre. Voilà, franchement, bosser avec YouTube, voilà, franchement, prenez de la qualité ou rien. Pour les cours particuliers, à moins d'avoir un coup de chance, c'est possible. Mais franchement, voilà, éviter ce genre de situation. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que tous les profs à 25-30 euros de l'heure, ce sera de la qualité. Mais en tout cas, vous avez un peu plus de chances de tomber sur un bon prof. En tout cas, peu importe le support que vous utilisez, soyez régulier dans votre manière de travailler, évitez de vous disperser, fragmentez votre apprentissage par thématique, hein, une thématique majeure par semaine, c'est super, échauffez-vous, voilà, donc mettez en application les conseils que je viens de vous donner. N'oubliez pas qu'il y a le contenu pédagogique de mon site aussi, hein, objectif-guitare.com. Vous pouvez travailler toutes les grandes thématiques, l'impro, le rythme, la technique, il y a même des boîtes à rythme à disposition pour travailler, et tout ça, c'est disponible en libre accès.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à l'article de la semaine portant sur le même sujet que cette vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !